Le Hamas a récemment choqué le sud d'Israël par une attaque massive. C'est comme s'ils avaient amélioré leurs compétences militaires depuis qu'ils ont pris le contrôle de Gaza en 2007. Comme le dit Ali Baraka, un ponte du Hamas, la nécessité est la mère de l'invention. Ils ont bénéficié d'une aide et d'un entraînement sérieux de la part de l'Iran et de ses amis, comme le Hezbollah. Dans le même temps, ils ont renforcé leur propre puissance militaire à Gaza. En parlant de puissance militaire, regardons dans cette vidéo ce qui est arrivé aux soldats les plus meurtriers du Hamas. Yahya Ayash. C'est dans les rues poussiéreuses de Naplouse, une ville nichée au cœur de la Cisjordanie, que le jeune Yahya Ayash est né à la fin des années 1960. Dans une région en proie aux conflits et aux troubles politiques, l'enfance de Yahya Ayash est loin d'être ordinaire. Dès son plus jeune âge, il a été témoin des dures réalités de la vie sous occupation. Une expérience qui a façonné son destin de manière inimaginable. Yahya Ayash a été élevé dans une famille palestinienne modeste, luttant pour joindre les deux bouts dans le chaos de l'occupation israélienne. Son père, ouvrier, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 6 enfants. Malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, les parents d'Ayash lui ont inculqué un sens aigu de la résilience et de la détermination. Dès son plus jeune âge, Ayash a fait preuve d'une aptitude exceptionnelle pour les sciences et la technologie. Son esprit curieux était toujours en train de bricoler des gadgets et d'explorer le fonctionnement interne des machines. Il était clair pour son entourage qu'il possédait un talent unique qui le mènerait finalement sur une voie dangereuse. À la fin des années 1980, alors que la première intifada déferlait sur les Palestiniens, Ayash s'est retrouvé en première ligne du mouvement de résistance. Il s'est profondément impliqué dans la lutte pour l'indépendance palestinienne. Les compétences techniques d'Ayash ont rapidement attiré l'attention du groupe militant palestinien Hamas, qui a reconnu son potentiel comme un atout précieux. Sous leur direction, il a perfectionné son savoir-faire en matière de fabrication de bombes, se transformant en une arme mortelle dans la lutte contre l'occupation israélienne. Le jeune Ayash s'est révélé être un apprenant rapide, maîtrisant l'art complexe de la construction d'engins explosifs avec une précision alarmante. Son souci du détail et ses techniques innovantes le distinguent de ses pairs et lui valent le surnom d'ingénieur dans les rangs du Hamas. Mais le parcours d'Ayash pour devenir un artificier notoire n'a pas été sans sacrifice. Il a dû rompre les liens avec sa famille, entrant dans la clandestinité pour la protéger des conséquences de son choix. À l'aube des années 1990, le règne d'Ayash a commencé à se déployer. Ces bombes deviennent de plus en plus sophistiquées, visant les installations militaires israéliennes, les bus et les espaces publics. La dévastation pure et simple causée par ces créations laisse une traînée de mort et de destruction. Les médias ont rapidement eu vent des exploits meurtriers d'Ayash et son nom est devenu synonyme de terreur. Les autorités israéliennes ont lancé une chasse à l'homme sans relâche, cherchant désespérément à le traduire en justice. Mais Ayash s'est révélé insaisissable, réussissant toujours à leur échapper. Pour le monde extérieur, Yahya Ayash était un personnage sans visage, entouré de mystères. Mais pour ceux qui le connaissaient intimement, Yahya Ayash était un personnage complexe, animé par une conviction profonde de la justesse de sa cause. L'expertise de Yahya Ayash en matière de fabrication de bombes s'est accrue au même rythme que son influence dans les rangs du Hamas. Il est devenu une figure clé de l'aile militaire de l'organisation, orchestrant certaines des attaques les plus dévastatrices de l'histoire du conflit israélo-palestinien. L'une des attaques les plus audacieuses d'Ayash a eu lieu le 6 avril 1994, lorsqu'il a orchestré l'attentat à la bombe contre un bus au cœur de Tel Aviv. Rempli d'explosifs, le bus s'est transformé en un véritable enfer, causant la mort de 8 Israéliens et en blessant des dizaines d'autres. Cet attentat a envoyé un message glaçant au gouvernement israélien et à la communauté internationale. Personne n'était à l'abri de la colère d'Ayash. Mais les ambitions d'Ayash ne se sont pas arrêtées là. Il a continué à repousser les limites de la terreur en concevant des méthodes nouvelles et innovantes pour maximiser l'impact de ses attaques. En juillet 1995, il a orchestré une série d'attentats à la bombe dans des bus de Jérusalem, ciblant les zones bondées aux heures de pointe. Ces attaques coordonnées ont fait 6 morts et plus d'une centaine de blessés. La capacité d'Ayash à échapper à la capture n'a fait qu'ajouter à sa mystique. Malgré les efforts incessants des services de renseignement israéliens, il gardait une longueur d'avance, réussissant toujours à s'éclipser au dernier moment. En janvier 1996, le règne de terreur d'Ayash a connu une fin soudaine et tragique. Au cours d'une opération secrète, l'agence israélienne Shin Bet a découvert un lien entre Ayash et Osama Hamad, un ami d'enfance qui séjournait parfois chez lui dans la ville de Gaza. Ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que le Shin Bet avait déjà traité avec Kamil Hamad, qui se trouve être l'oncle d'Oussama. En octobre 1995, les agents du Shin Bet ont approché Kamil Hamad et se sont engagés dans une négociation de haut niveau. Hamad a demandé de l'argent et des cartes d'identité israéliennes pour lui et 16 femmes. La tension était palpable, car le Shin Bet menaçait de révéler sa collaboration avec le Hamas.
Finalement, sous la pression, Ahmad a accepté de coopérer. Les agents du Shin Bet lui ont remis un téléphone portable. Ils l'ont informé que l'appareil était sur écoute, ce qui leur permettait d'écouter les conversations d'Ayash. Ce qu'ils ont omis de mentionner, c'est que le téléphone contenait une formidable charge utile, 15 grammes d'explosif RDX, un explosif puissant souvent utilisé dans les opérations militaires. Kamil Hamad a remis le téléphone truqué à son neveu, Oussama, sachant qu'Ayash utilisait souvent les téléphones d'Oussama. Le grand moment s'est produit à 8h du matin, le 5 janvier 1996, lorsque le père d'Ayash l'a appelé et qu'Ayash a répondu. Ils n'ont pas réalisé qu'un avion israélien écoutait secrètement et envoyait la conversation à un poste de commandement israélien. Lorsqu'ils ont été sûrs qu'Ayash était en ligne, le Shin Bet a pris des mesures radicales. Il a fait exploser le téléphone à distance, ce qui a tué Ayash sur le coup. Cela s'est passé à Beit Laya. Israël garde généralement le silence sur son implication dans les assassinats ciblés. Ce manque d'informations a donné lieu à de nombreuses rumeurs et suppositions sur le degré d'implication de la police dans la mort d'Ayash. Puis, en 2012, un ancien directeur du Shin Bet, Carmi Gilon, a révélé la vérité dans un documentaire intitulé « The Gatekeepers ». Au même moment, Kamil Ahmad, qui avait aidé à trahir Ayash, a mystérieusement disparu. Des rumeurs ont circulé dans les médias israéliens selon lesquelles, en échange de son aide, Ahmad aurait reçu une forte récompense. $1 million, un faux passeport et un visa pour les États-Unis. Les partisans d'Ayash ont pleuré la perte d'un leader intrépide, tandis que ses ennemis ont poussé un soupir de soulagement collectif. Mais l'impact des actions d'Ayash continuera à se faire sentir pendant des années. Après la mort d'Ayash, 4 attentats suicides ont été perpétrés en Israël en février et mars 1996, causant la mort de 78 Israéliens. Ces attentats ont eu lieu peu après une période de 40 jours de deuil pour Ayash. Le groupe à l'origine de ces attentats s'est appelé « Disciples du martyr Yahya Ayash » et a déclaré qu'il cherchait à venger son assassinat. Lorsque les services de sécurité israéliens ont interrogé l'une des personnes impliquées dans la planification des attentats, ils ont découvert que ceux-ci avaient été perpétrés par un groupe lié aux brigades Qassam. Mohamed Deif. Mohamed Deif est né en 1965 dans le camp de réfugiés de Khan Younis, dans la bande de Gaza. Ayant grandi au milieu d'un conflit et de difficultés, les débuts de Deif ont été marqués par la lutte pour la survie. Adolescent, Deif a été le témoin quotidien des difficultés rencontrées par son peuple. C'est au cours de ses années de formation qu'il a développé un sentiment de colère profondément ancré et une détermination à faire changer les choses. En 1990, à l'âge de 25 ans, Deif a rejoint le Hamas, une organisation militante qui prenait de l'ampleur dans sa résistance à l'occupation israélienne. Dès qu'il a mis le pied dans le Hamas, l'engagement de Deif pour la cause a été inébranlable. Il a rapidement gravi les échelons, faisant preuve d'une réflexion stratégique et de compétences en matière de leadership. Son mode de vie nomade, constamment en mouvement pour échapper à la capture, lui a valu une réputation d'homme de l'ombre. L'engagement de Deif dans le Hamas l'a confronté aux dures réalités du conflit israélo-palestinien. Mais c'est en 1995 que le nom de Deif devient véritablement synonyme de résistance. L'armée israélienne l'a déclaré « l'homme le plus recherché », lançant une poursuite sans relâche pour le capturer ou l'éliminer. Malgré la menace constante qui pèse sur sa vie, Deif ne se laisse pas décourager. Il a continué à diriger l'aile militaire du Hamas, les brigades Izz ad-Din al-Qassam. Son intelligence stratégique et sa capacité à inspirer ses troupes ont fait de lui une force redoutable sur le champ de bataille. Au fil des ans, l'engagement de Deif auprès du Hamas et son rôle au sein de l'organisation n'ont cessé d'évoluer. Il est devenu un personnage clé dans la planification et l'exécution des opérations militaires contre Israël. Son fort sentiment anti-israélien et son engagement en faveur de la libération de la Palestine ont fait de lui une figure vénérée par ses camarades. Depuis qu'il a été déclaré l'homme le plus recherché par l'armée israélienne en 1995, Deif a survécu à 7 tentatives d'assassinat. La première tentative d'assassinat a eu lieu en 1996, lorsque les forces israéliennes ont lancé un missile sur un bâtiment où Deif était supposé se cacher. Il s'en est sorti indemne, mais les tentatives d'assassinat ne se sont pas arrêtées là. En 2001, une voiture piégée a visé son véhicule, le réduisant à un amas de métal tordu. Une fois de plus, Deif a survécu à cet attentat. Au fil des ans, les tentatives d'assassinat sont devenues plus audacieuses et plus désespérées. En 2002, les forces israéliennes ont largué une bombe d'une tonne sur un bâtiment où il était soupçonné de se cacher. L'explosion a été si puissante qu'elle a rasé toute la structure. Pourtant, une fois de plus, Deif a réussi à s'échapper. L'armée israélienne, frustrée par ses échecs répétés, a eu recours à des méthodes de plus en plus sophistiquées pour éliminer Deif. En 2003, ils ont lancé une attaque de missile sur une maison où l'on pensait qu'il se trouvait. L'attaque a laissé le bâtiment en ruine, mais Deif a une fois de plus réussi à s'enfuir. En 2006, les forces israéliennes ont pris pour cible un bâtiment où il assistait à une réunion.
L'attaque a été précise et dévastatrice, réduisant la structure en ruines. Pourtant, contre toute attente, Dave a survécu. Sa capacité à échapper à la capture et à sortir indemne à plusieurs reprises lui a valu un statut légendaire parmi ses camarades et une réputation d'homme invincible. Mais derrière les récits d'évasion miraculeuse se cache un homme qui a payé un lourd tribut pour son défi. En 2014, une tragédie s'est produite lorsqu'une frappe aérienne israélienne a visé la maison de Dave, entraînant la perte de sa femme et de ses deux enfants. L'implication de Mohamed Dave dans le conflit israélo-palestinien a été marquée par un engagement sans faille. En tant que commandant militaire des brigades Izz ad-Din al-Qassam du Hamas, il a joué un rôle clé dans la planification et l'exécution de nombreuses opérations militaires contre Israël. L'une des opérations militaires les plus remarquables menées par Dave a été la deuxième Intifada, également connue sous le nom d'Intifada al-Aqsa, qui a éclaté en 2000. Ce soulèvement contre l'occupation israélienne a donné lieu à une vague de protestations, de manifestations et d'actes de résistance dans l'ensemble des territoires palestiniens. D'autres attaques, comme les attentats suicides et les tirs de roquettes, ont provoqué une onde de choc en Israël et ont attiré l'attention de la communauté internationale. La capacité de Dave à inspirer ses troupes et son sens tactique ont fait de lui une force redoutable sur le champ de bataille. L'une des opérations les plus audacieuses menées par Dave a été la capture, en 2006, du soldat israélien Gilad Shalit. Cet enlèvement très médiatisé a déclenché une crise majeure. Shalit a été retenu en captivité par le Hamas pendant 5 ans avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le succès de cette opération a renforcé la réputation de Dave en tant que cerveau de la résistance. Les actions de Dave ont également suscité des critiques et des condamnations de la part d'Israël et de ses alliés. Adnan Al-Ghul. Adnan Al-Ghul est un autre homme qui est apparu comme une figure clé au milieu de tous les troubles. Né vers 1962, le voyage d'Adnan Al-Ghul dans le royaume de la résistance a commencé à un jeune âge. Ayant grandi dans la bande de Gaza, Al-Ghul, comme beaucoup d'autres, a été le témoin direct des luttes et des difficultés rencontrées par son peuple. La région était en proie à la pauvreté, à la violence et à un sentiment de désespoir. C'est dans cet environnement que le chemin d'Al-Ghul a pris un tournant décisif. Adolescent, Al-Ghul est de plus en plus choqué par l'état des choses à Gaza. Il voyait son peuple souffrir sous le poids de l'occupation et ressentait un désir ardent de lutter contre l'injustice. C'est à cette époque qu'il a découvert l'idéologie du Hamas. Le message de résistance et d'autonomisation du groupe a trouvé un écho profond auprès d'Al-Ghul, qui y a vu un moyen d'apporter le changement et de récupérer la terre qui appartenait à son peuple. En 1988, à l'âge de 26 ans, Al-Ghul a pris la décision fatidique de rejoindre le Hamas. Il considérait qu'il était de son devoir de lutter pour la libération de la Palestine et de protéger son peuple contre l'agression israélienne. Il était loin de se douter que cette décision le mettrait sur la voie de la violence et de la destruction. Al-Ghul a rapidement gravi les échelons du Hamas grâce à ses compétences exceptionnelles en matière de manipulation d'explosifs. Son expertise dans la fabrication de bombes et sa capacité à développer des armes à partir de matières premières de contrebande ont fait de lui un atout inestimable pour l'organisation. Mais la montée en puissance d'Al-Ghul s'est faite au prix d'un lourd tribut personnel. Il a mené une vie constamment dangereuse et incertaine, fuyant sans cesse les autorités israéliennes qui étaient déterminées à le traduire en justice. Il est devenu un maître du déguisement, changeant fréquemment d'apparence et d'identité pour échapper à la capture. Malgré les risques, Al-Ghul est resté attaché à sa cause. Il pensait que la violence était le seul moyen d'obtenir justice pour son peuple, et il était prêt à tout sacrifier pour cette cause. En 1995, Al-Ghul a orchestré l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire d'Israël, l'attentat à la bombe du carrefour de Beit Lid. Cet attentat a placé Al-Ghul dans le collimateur des services de renseignement du monde entier. Mais le règne de terreur d'Al-Ghul était loin d'être terminé. En 1996, il a organisé un autre attentat dévastateur, visant cette fois le centre d'Izengoff, en plein cœur de Tel Aviv. L'attentat à la bombe a coûté la vie à 10 Israéliens et en a blessé des dizaines d'autres. Les forces israéliennes ont lancé de nombreuses opérations pour le retrouver, mais Al-Ghul a toujours réussi à leur échapper. Mais la vie d'un fugitif a fait des ravages chez Al-Ghul. Il vivait dans une peur constante, ne sachant jamais quand sa chance allait tourner. La perte de son fils aîné, Bilal, lors d'une frappe aérienne à Gaza en 2001, n'a fait qu'attiser sa haine et son désir de vengeance contre Israël. Tragiquement, son deuxième fils, Mohamed, a connu le même sort lors d'un raid raté sur la maison familiale à Maghazi, au sud de la ville de Gaza. Malgré les pertes personnelles qu'il a subies, Al-Ghul est resté ferme dans son engagement pour la cause. Il a continué à développer de nouvelles armes et stratégies pour le Hamas, utilisant son expertise pour faire des ravages sur les cibles israéliennes. SU's Actions était motivé par la conviction profonde que la violence était le seul moyen de parvenir à la justice et à la libération de son peuple. Le 26 septembre 2003, Al-Ghul aurait participé à une réunion avec d'autres membres haut placés du Hamas, dont Mohamed Dave, Ismail Haniya
et le cheikh Ahmed Yassine. Les forces israéliennes, déterminées à éliminer les dirigeants du Hamas, ont bombardé la maison où ils s'étaient réunis. Par miracle, Al-Ghul est parvenu à s'échapper sain et sauf, échappant une fois de plus à l'emprise de 16 poursuivants. Mais cet incident n'a fait qu'intensifier la chasse à l'homme pour retrouver Al-Ghul. Les services de renseignement israéliens se sont acharnés sur lui, employant tous les moyens à leur disposition pour le retrouver. Elle savait que sa capture ou son élimination constituerait un coup dur pour le Hamas et une victoire pour leurs propres forces de sécurité. Enfin, le 21 octobre 2004, jour qui devait marquer la fin du règne d'Adnan Al-Ghul, des hélicoptères AH-64 de l'armée de l'air israélienne ont pris pour cible sa voiture à Gaza. L'attaque, un assassinat ciblé, a été rapide et meurtrière. Al-Ghul et son associé, Imad Abbas, ont été tués sur le coup. La mort d'Adnan Al-Ghul a marqué la fin d'une époque pour le Hamas. Son expertise en matière d'explosifs et son rôle dans l'orchestration d'attaques meurtrières contre des cibles israéliennes l'ont fait entrer dans l'histoire. Mais son histoire n'est pas seulement celle de la violence. C'est aussi l'histoire d'une tragédie personnelle, d'un sacrifice. Al-Ghul est considéré par certains comme un martyr, un héros qui s'est battu pour la libération de son peuple. Sa capacité à échapper à la capture pendant si longtemps et son expertise en matière d'explosifs ont fait de lui un symbole de résistance et de défi. Pour ceux qui partagent son idéologie, il est considéré comme un martyr qui a donné sa vie pour la cause. Ahmed Jabari. La vie de Jabari a commencé en mai 960 dans la ville de Gaza. Il est issu d'une famille d'activistes qui a déménagé d'Hébron en raison d'une querelle persistante. Il est entré à l'université islamique de Gaza, où il a étudié l'histoire et obtenu son diplôme. Mais sa vie a pris une autre direction. En 1982, les choses ont changé lorsque les autorités israéliennes par injustice ont arrêté Jabari. Au cours de ses 13 années d'emprisonnement, Jabari a subi une transformation majeure. Il a rencontré des membres importants du Hamas en prison, comme Abd al-Aziz Rantissi, Nizar Rayan et Salah Shehadeh. Leur influence l'a amené à quitter le Fatah pour rejoindre le Hamas. Jabari est devenu une figure importante de l'aile militaire du Hamas après sa sortie de prison en 1995. Il a joué un rôle de premier plan, supervisant à la fois les actions caritatives de l'organisation et la coordination des finances pour les activités militaires. Outre ses fonctions administratives, il a participé activement à la planification d'attentats suicides visant des civils israéliens au milieu des années 1990. Cependant, ses activités militantes ont attiré l'attention de la force de sécurité préventive de l'autorité palestinienne. En octobre 1998, il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'être impliqué dans l'attentat contre le bus de Kfar Darom. Il est resté en prison jusqu'à la fin de l'année 1999, date à laquelle il a finalement été libéré. Après sa libération, Jabari est devenu l'assistant de Salah Shehadeh et de Mohamed Al-Dahef, deux dirigeants influents de la branche militaire du Hamas. Son travail consistait à les aider à rendre leurs opérations militaires plus efficaces. Plus tard, au cours de la première intifada, Jabari a joué un rôle important au sein de la direction de l'armée du Hamas, contribuant à la première cellule de l'intifada. En 2002, après qu'une frappe aérienne israélienne a blessé Mohamed Deif, le chef de la principale branche armée du Hamas, les brigades Izz al-Din al-Qassam, Jabari a assumé le rôle de commandant et de chef opérationnel de la branche militaire au cours de la deuxième intifada, mais Mohamed Deif conservait toujours officiellement son poste de chef. Sous la direction de Jabari, la branche armée du Hamas, les brigades Al-Qassam, est devenue encore plus organisée. Pendant l'intifada, Jabari a été chargé de coordonner de nombreuses attaques contre Israël, notamment des attentats suicides, qui ont entraîné la mort de nombreux soldats israéliens. Un jour fatidique d'août 2004, une tragédie a frappé la vie de Jabari. Une frappe aérienne israélienne a visé le domicile de Jabari à Gaza, dans le but de l'assassiner. L'attaque a entraîné la perte de son fils aîné, Mohamed, ainsi que la vie de son frère et de trois cousins. Jabari lui-même s'en est sorti indemne de justesse. Dans une interview accordée à Reuters en 2005, Jabari s'est dit fermement convaincu que le djihad et la résistance étaient les seuls moyens efficaces de libérer sa patrie. Il ne pensait pas que la négociation et la diplomatie fonctionneraient. Jabari a joué un rôle important dans le conflit israélo-palestinien. Il était chargé de superviser la captivité de Gilad Shalit, un soldat israélien enlevé par des militants palestiniens en 2006. Selon le gouvernement israélien, M. Jabari a également joué un rôle déterminant dans la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne dirigée par le Fatah en 2007, ce qui a renforcé son influence dans la région. En décembre 2008, lors de l'opération israélienne Plomb durci contre la bande de Gaza, la résidence de Jabari aurait été détruite lors d'une frappe aérienne, mais les détails exacts de cette opération ne sont pas clairs. En septembre 2010, il a clairement menacé de multiplier les attaques contre Israël. Il était déterminé à mettre fin au contrôle d'Israël sur Gaza,
en s'appuyant sur des croyances religieuses, des armes, des missiles, des tunnels et des opérations commando. Un moment important de l'histoire de Jabari s'est produit en octobre 2011, lorsqu'un échange de prisonniers a été organisé. Gilad Shalit a été rendu à Israël en échange de 1027 prisonniers palestiniens. Jabari a lui-même accompagné Shalit jusqu'au point de passage de Rafah avec l'Égypte, supervisant la mission de très près. Son impact dans l'arène politique est également devenu évident lorsqu'il a été élu au bureau politique du Hamas en avril 2012. Au-delà de sa personnalité publique, M. Jabari a joué un rôle déterminant dans l'application des cessez-le-feu du côté palestinien. Il s'est efforcé d'empêcher les groupes militants rivaux de tirer des roquettes et des missiles sur Israël, contribuant ainsi à des moments de répit dans le conflit en cours. En outre, il a fondé une association appelée NUR, destinée à aider les martyrs et les prisonniers. Selon Gershon Baskin, qui a participé aux négociations pour la libération de Gilad Shalit, Jabari a reçu un projet d'accord de cessez-le-feu à long terme avec Israël juste avant son assassinat. Cette affirmation est toutefois contestée, certains mettant en doute sa crédibilité. Jabari était une personne très secrète et prudente. Il apparaissait rarement en public, n'utilisait pas de smartphone et s'en remettait à des messagers de confiance pour communiquer avec les autres dirigeants du Hamas. Cette extrême prudence s'explique par le fait qu'il a survécu à 5 tentatives d'assassinat. Le 14 novembre 2012, les choses ont pris une tournure tragique pour lui. Un drone israélien l'a tué alors qu'il circulait en voiture dans la rue Omar Mukhtar, dans la ville de Gaza. Son fidèle garde du corps, Mohamed Al-Hams, a également connu le même sort lors de cette attaque. Le Shin Bet et l'armée de l'air israélienne ont mené une opération conjointe qui a conduit à des attaques à la roquette de la part de groupes palestiniens à Gaza. Cette opération a déclenché un conflit entre Israël et Gaza, Israël lançant des attaques pendant 4 jours. Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Jabari, qui ont commencé à l'hôpital Shifa, sont passées devant son domicile et se sont terminées à la grande mosquée de Gaza pour les dernières prières. Il a été enterré au cimetière de Sheikh Radwan, dans le nord de la ville. Salah Shehadeh. Salah Shehadeh est un nom qui fait peur à beaucoup. Il est né à Gaza le 24 février 1953. Le monde était loin de se douter que cet homme apparemment ordinaire deviendrait l'un des dirigeants les plus influents du mouvement islamiste palestinien, le Hamas. En 1987, Shehadeh a rejoint le Hamas, une décision qui allait façonner le cours de sa vie et celle d'innombrables autres personnes. Son dévouement et son engagement inébranlable pour la cause ont rapidement attiré l'attention de ses supérieurs. Cela l'a propulsé dans les rangs de l'organisation. Lorsque l'intifada Al-Aqsa a éclaté à la fin des années 1990, les tensions entre Israéliens et Palestiniens ont atteint un point d'ébullition. C'est à cette époque que le vrai visage de Shehadeh commence à apparaître. Israël l'a accusé d'avoir orchestré une série d'attaques meurtrières contre des soldats et des civils israéliens. L'implication de Shehadeh dans ces attaques ne s'est pas limitée à la planification et à l'orchestration. Il était également très impliqué dans la production de roquettes Qassam, des armes artisanales qui sont devenues synonymes du Hamas. 16 roquettes portent le nom des brigades Izz ad-Din al-Qassam, l'aile militaire du Hamas. Mais les ambitions de Shehadeh ne s'arrêtent pas là. Il a joué un rôle essentiel dans la contrebande d'équipements militaires vers Gaza, où le Hamas opérait. Sous sa direction, les commandants de terrain du Hamas à Gaza et en Cisjordanie ont mené de nombreuses attaques visant les forces israéliennes. L'influence et le pouvoir de Shehadeh au sein du Hamas étaient indéniables, et ses actions ont eu des conséquences considérables. Au début de l'année 2000, son règne de terreur a été momentanément interrompu lorsqu'il a été capturé par les forces israéliennes. Il a été condamné à 12 ans de prison, mais son emprisonnement n'a guère contribué à apaiser la violence. Puis, par un retournement de situation surprenant, Shehadeh a été libéré en mai 2000 dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Sa libération a ravivé les craintes et soulevé des questions quant à l'efficacité du système judiciaire face à des individus comme Shehadeh. Après sa libération, Shehadeh n'a pas tardé à reprendre ses activités au sein du Hamas. Il a repris son rôle dans la production de roquettes Qassam et a continué à superviser les opérations des commandants sur le terrain à Gaza et en Cisjordanie. Sous sa direction, le Hamas a mis en place un vaste réseau de distribution de ces roquettes. Les installations de production étaient dissimulées dans des zones résidentielles, ce qui rendait difficile leur localisation et leur destruction par les forces israéliennes. La planification stratégique et l'exécution méticuleuse de Shehadeh ont permis au Hamas de reconstituer continuellement son arsenal, constituant ainsi une menace constante pour la sécurité d'Israël. Les roquettes Qassam sont devenues une arme de choix pour le Hamas, utilisées pour cibler les villes israéliennes proches de la bande de Gaza. Ces attaques visent les installations militaires. L'impact de ces attaques ne peut être surestimé. Les citoyens israéliens vivaient dans la crainte constante des tirs de roquettes, ne sachant jamais quand ni où se produirait la prochaine attaque. Mais Shehadeh n'était pas seulement impliqué dans les tirs de roquettes Qassam.
Il a également joué un rôle crucial dans la contrebande d'équipements militaires vers Gaza, renforçant ainsi les capacités du Hamas. Le réseau de contacts de Shehadeh et sa connaissance approfondie de la région lui ont permis de mener à bien le trafic d'armes clandestins. Les opérations de contrebande ont été menées grâce à un réseau de tunnels reliant Gaza aux pays voisins. Ces tunnels servaient de ligne de vie au Hamas, en lui fournissant régulièrement des armes, des munitions et d'autres équipements militaires. L'afflux d'armes et d'équipements militaires à Gaza a permis au Hamas d'étendre son influence et de mener des attaques plus sophistiquées. Mais c'est lors d'une journée fatidique, le 22 juillet 2002, que le monde allait être témoin des conséquences dévastatrices de ces actes. Les forces de défense israéliennes, déterminées à mettre fin à son règne de terreur, ont pris pour cible la maison dans laquelle vivait Shehadeh. À l'aide d'une bombe d'une tonne larguée par un avion F-16, les forces de défense israéliennes ont déclenché une attaque dévastatrice. L'explosion a non seulement coûté la vie à Salah Shehadeh, mais aussi à sa femme, à sa fille et à 7 membres innocents d'une famille voisine. L'attaque de la maison de Shehadeh a été largement condamnée par les autres pays du Moyen-Orient, l'Europe occidentale et les États-Unis. Les organisations de défense des droits de l'homme du monde entier l'ont qualifié de crime de guerre, témoignant d'un mépris flagrant pour les vies innocentes. En réponse au tollé international, les forces de défense israéliennes et le Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure israélienne, ont ouvert une enquête conjointe sur l'attaque. L'enquête visait à évaluer l'opération et à déterminer si des erreurs avaient été commises. Bien que l'enquête ait conclu que l'opération était correcte et professionnelle, elle a également reconnu des lacunes dans les renseignements disponibles. Les conclusions de l'enquête conjointe n'ont guère satisfait ceux qui estimaient que l'attaque était injustifiée. En 2005, une action collective a été intentée, alléguant que l'assassinat ciblé de Salah Shehadeh était illégal au regard du droit international. L'action en justice visait à faire en sorte que les responsables de l'attaque répondent de leurs actes. En outre, en 2009, une enquête sur les crimes de guerre a été ouverte en Espagne. La Cour d'appel espagnole a toutefois rejeté l'enquête officielle sur l'assassinat ciblé de Shehadeh en 2002, invoquant des limites juridictionnelles. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche actuellement sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.